Je m'appelle Dori David, je suis le membre du coopérative Estop Désert. Estop Désert, c'est-à-dire, on s'est constitué en coopérative pour c'est-à-dire, produire d'abord les plantes. Oui, produire les plantes. On vend et avec un prix abordable permettant ici à nos différents clients ou encore les organisations d'aller c'est-à-dire planter et pour contribuer pour la lutte contre la désertification au Tchad. C'est notre travail, c'est la production. C'est-à-dire il y a les plantes dont on fait par les grains, c'est-à-dire on sème les grains. Par contre, il y a certaines plantes dont on produit ça par les boutures. Telles que papayer, généralement c'est par les grains. Donc on sème les grains d'abord dans les petits pots. Et dans les petits pots, après on agrandit ça dans les gros pots, de fur et à mesure à l'échelle pour que ça, dire, ça grandisse. Tout comme les pommes cannelle, les citronniers et autres. La composition de la terre, généralement, on ramasse d'abord la terre un peu argileuse, et puis on ramasse aussi les feuilles mortes, accompagnées de déchets de bœufs, c'est-à-dire déchets de bœufs, généralement appelés caca de bœufs. On fait la composition, c'est-à-dire on met en tas, ou encore on fait un trou, on met là, on arrose pendant 2-3 semaines, c'est-à-dire on enlève ça, puis on tourne. De fur et à mesure, 2-3 fois déjà, c'est-à-dire du moment où c'est-à-dire ça se décompose, et puis on trouve que voilà, ces feuilles sont presque disparues, donc on vient c'est-à-dire pour mettre ça dans les pots. Pour mettre dans les pots et puis pour semer les grains. C'est par rapport à leur valeur, il y a les arbres fruitiers et non fruitiers. C'est-à-dire les arbres fruitiers tels que par exemple les papayers, avec la variété des papayers, c'est-à-dire papayers nés, généralement le prix est différent que par ceux des papayers solo. Donc le prix ça varie généralement entre les 1500 et 2500. Ça c'est les papayens et solo. Par contre il y a les goyavés. Goyavés dont les goyavés simples c'est à 1000 francs. Par contre les goyavés pommes qui est à 3000 francs. Donc ça varie selon leur variété. Les pommes de France généralement c'est par rapport à la terre. Notre terre est un peu est argileuse. Donc pour planter les pommes, pour produire ici, par rapport à les différentes techniques appliquées, je n'ai pas l'autre avec exactitude, mais ça ne va pas produire comme il se doit. Par contre, on préfère c'est-à-dire les grains, c'est-à-dire surtout les plantes locaux, les arbres locaux, qui s'adaptent facilement au milieu et qui permet aussi la production en quantité. Et ça remporte aussi plus que à d'amener certaines plantes comme les pommes de France qui n'arrivent pas à produire avec un prix un peu cher. C'est pourquoi on préfère ici les papayers, les goyavés, les manguiers et autres. Évidemment, on suivait des formations justement à travers les organisations non gouvernementales. À l'exemple de certaines associations, on a eu à suivre des formations avec les CERDEF. Et les gens de CERDEF, avec plusieurs associations qui nous permettent ici de faire les greffages, c'est-à-dire comment faire des greffages avec d'autres variétés, c'est à base de cette formation, et la composition aussi du sol, c'est-à-dire la terre, généralement c'est les organisations qui nous forment dans ce domaine. Évidemment, non, du fait que le ministère a oublié même ce secteur. Parce que c'est le secteur qui produit ici, généralement en Diamant, on a seulement un site dont Milésie qui produit des plantes pour le ministère de l'Environnement, mais avec une quantité insuffisante. À base de, c'est-à-dire nous, les coopératives Estop Désert ou encore Ndiamena Vert, qui produisons ici les plantes qui fermaient ici à la population tchadienne d'une manière générale, de s'approvier de cette plantation. Mais le ministère en question ne nous a pas assisté en aide ou d'autres. Mais c'était l'ONG Grand Cœur qui nous a assisté avec le matériel, tels que les brouettes, les pelles, les pioches, les groupes à alimenter ici notre jardin. Oui, là, on reconnaît. À ce qui concerne les difficultés, d'abord, le problème d'électricité. Maintenant, on fonctionne à base d'électricité. Il y a coupure, c'est-à-dire instance d'électricité. Ça ne nous permet pas ici d'arroser normalement nos plantes comme il se doit. On essaie d'alimenter avec le groupe, mais avec aussi le prix du carburant.
ça nous consomme énormément. Donc si on essaye d'augmenter le prix de nos plantes, c'est-à-dire il y a des difficultés, certes. Et la production, surtout pour accès à nos différents matériels tels que les pots, tels que les engrais et autres, c'est un peu difficile. Donc à base de certaines choses, c'est-à-dire des déchets de certains produits, tels que le ciment, sac ciment, on transforme ça en pot pour produire ici les choses. Voilà, l'espace aussi, on a un souci de l'espace. Cet espace nous a été octroyé depuis 2009. Mais dernièrement, il y avait un individu qui s'est surgi pour dire que la place l'appartient. Donc on a engagé des procédures judiciaires. Jusqu'à là, l'affaire est toujours à la justice. Donc on n'a pas encore gagné comme gain de cause. Pourtant, c'est la mairie qui nous a donné l'espace. Et dernièrement, il dit qu'il a acheté le terrain avec la mairie. Et vu encore les titres, c'est-à-dire les papiers légaux qu'il dispose, les titres foncés et autres. Donc on est là toujours dos au mur. On ne sait pas comment faire, donc pour l'instant, pour le moment. En ce qui concerne la sécurité, nous sommes là pour produire plantes. C'est notre activité de tous les jours. Alors, à bas de ça, comme l'endroit est un peu caché, il y a des gens qui sont venus dans le but de leur loisir. Donc, à partir de là, les gens, ils viennent parfois, c'est-à-dire, ils se détendent, à la fin, ils fument et autres. Donc, ça nous met un peu mal à l'aise du fait que même la sécurité à question vient envers ces gens pour les renvoyer à plusieurs reprises, mais c'est devenu leur habitude, ils sont là. Et nous, on continue nos activités à base de nos pollutions. À ce qui concerne les appels à travers les personnes de bonne volonté, surtout, j'interpelle ici, c'est-à-dire d'abord l'État, de contribuer dans ce secteur. Puisque à travers le monde aujourd'hui, quand on parle de réchauffement climatique, c'est-à-dire nous devons produire des choses pour barricader ici l'avancement du désert. Donc l'État devait vraiment venir en aide et puis nous encourager à continuer davantage. Même les personnes de bonne volonté comme les ONG, les internationaux, qui œuvrent dans le domaine. Nous demandons aussi aux personnes de bonne volonté, et personnellement peuvent venir, c'est-à-dire ils peuvent venir en aide pour nous accorder, c'est-à-dire par la formation, telle que par exemple les matériels. Il n'y a pas de souci. Nous appelons ici les personnes de bonne volonté de venir en aide à nous sécuriser. Toutes mes félicitations au président de la République démocratiquement élu. Nous sommes ravis de cette victoire. Nous, les jeunes, nous demandons ici à notre président de s'impliquer personnellement pour faire en sortir ou encore impliquer ici les jeunes chômeurs, diplômés sans emploi dans le domaine ici de l'environnement. C'est-à-dire de le faire en sorte qu'ensemble, nous luttons ici contre la désertification, encore l'avancement du désert dans le Sahel, précisément ici au Tchad.